un engagement de moyens et pas un engagement de résultats. Madame est de Moscou. Oui. Sa grande spécialité, c'est la broderie. Oui. Et elle cherche des vêtements anciens qu'elle pourrait restaurer. Qui ne sont pas encore restaurés, qui ne sont pas forcément de l'époque. Non, mais je vais vous envoyer chez ma fille, en plus elle vend des boutiques de broderie. Moi c'est plus de l'esthétique. Elle, c'est vraiment ce qui est broderie, recoderie. Ah ouais, t'en peux plus, tu restes là-bas. Et c'était où? Pas bien, non, mais de toute façon, elle est en train de venir, elle est là pour cette semaine. Elle est aussi au plus à l'ancienne. Moi c'est Sarah, Violette et elle, c'est Sarah. 27 cousins. C'est un petit passage. Et là, il y a trois grandes vitrines. Les autres sont pas vitrines. Oui, oui. Voilà. Et là, je pense qu'elle va te rester. C'est gentil. Donc, vous, c'est. Moi, c'est Violette. Vous, c'est Violette. D'accord. Ça va. Bonjour. Oui. Vous avez déjà longtemps cette boutique? Je pourrais. En rétro, 71. Et avant, c'était d'autres choses, la brocante, un bout de pluie, avec mes parents, 46. 46. Avec mes parents, hein. Oui. C'est pas moi qui ai commencé en 46, j'étais petite fille. Oui. Et où est-ce que vous trouvez toute cette ancienne... Je trouve plus. C'est fini, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il faut acheter, il faut... C'est-à-dire que si je veux en trouver, il faut racheter à d'autres marchands. Et là, ça fait trop cher. Moi, je ne peux plus acheter. Mais un jour, vous aurez vendu tout ce que vous avez et... Non, c'est-à-dire que je resterai et puis ma fille vendra ce qui restera. Je ne veux pas le liquider, ça me fait trop mal au cœur. Il y a encore ma fille derrière moi. Oui. Elle vendra ce qu'elle voudra. Alors, vous vendez les anciennes habits blanches en général, puisque si on arrive ici, on voit que tout est blanc. Et oui. Votre fille, c'est autre chose. C'est plus des robes d'époque anciennes, 1910, 1920, 1930, 1940. Moi, c'est plus rustique. Je vends plus au costumier au théâtre. Oui. Plus rustique, à part le blanc. Hein. Bon, le blanc, c'est pas ce que j'aime. Vous l'aimez aussi? Moi, j'aime, mais ça se vend pas. ça ne vend pas très bien. Ça se vend pas. Disons que c'est la boutique. C'est ce qui fait la boutique. S'il n'y a pas ça... Et on achète autre chose. C'est vrai, hein. C'est la mouche. Quoi. Pour attraper. Pour attirer le client. Oui, oui. On ne peut pas dire que ça se vend vraiment. Vous aimez Paris? Paris? Oui. Je connais mal Paris. J'aime un peu, mais je ne connais pas Paris. Vous ne connaissez pas? Mais vous étiez ici... Je suis née ici. Oui. Et vous ne connaissez pas Paris? Très peu. Beaucoup de Parisiens.
Je connais pas beaucoup Paris. J'ai pas le temps. Oui, j'ai pas le temps de connaître Paris. Moi, je suis hollandaise et j'ai toujours un petit peu, mais j'ai toujours rêvé quel bonheur ça serait si j'étais née à Paris. Oui, maintenant, je vous trouve, vous êtes née à Paris, vous-même vivez à Paris. Il ne faut pas acheter un ticket du train pour arriver ici. Mais les Parisiens ne connaissent pas Paris. Non. C'est vrai. Mais est-ce que vous connaissez bien votre pays, votre ville? Amsterdam. C'est peut-être moins grand. Oui. Non, je connais aussi la puce. Moi, c'est ce que je connais le plus, et encore, quoi, vraiment. Là. Je connais la puce Amsterdam. Je connais pas tous les puces. Hein. Non. C'est encore trop loin. Là, je travaille trop. Je peux pas, j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de visiter le musée, les églises, les... Rien. Vous n'avez jamais fait ça. Presque. C'est-à-dire que je me suis mariée à 25 ans et j'ai élevé mes enfants toute seule. Donc, ce qui veut dire... Tout le temps travailler. Jamais se reposer. Si on veut le faire, c'est obligé. Hein. Oui, je comprends très bien. Et le soir, trop fatigué. Oui. Si en ce moment, depuis un certain temps, je sors tous les samedis soirs avec ma fille. Genre, on va au restaurant. Saint-Germain-des-Prés. J'aime bien Saint-Germain. Ça coupe. J'aime bien Saint-Germain. Vous ne voulez pas? Pourquoi? Mais monsieur ne fait pas partie de la boutique, c'est pour ça. Là, c'est un visiteur quand même. Il vient me vendre quelques pièces comme ça. Ah oui. Oui. Et vous avez choisi parce que vous l'aimez aussi. Oui. Il oui. faut l'aimer. Hein. Pour le vendre, il faut l'aimer. Oui. Si vous n'aimez pas, c'est oui, pas la peine. Si vous... Non. Parce qu'il faut laver, réparer, faut... Pour réparer les choses. Tout. Vous le blanchez. Oh!